World, je suis heureux de vous retrouver dans la suite de notre reportage sur New York. On va poursuivre notre découverte. Vous l'avez reconnu sur les images, je suis à Central Park, un parc absolument immense. Dans la suite de notre reportage, on va aller découvrir les contours et les quartiers de New York. On va faire un petit passage dans Brooklyn. On va aussi aller découvrir le Bronx et notamment assister à un match de baseball au stade des Yankees. Et pour terminer, on fera un petit passage dans le quartier de Harlem, où là aussi, c'est absolument magnifique. Donc si vous voulez continuer d'en savoir plus, et surtout d'en découvrir plus sur la fantastique ville de New York, j'ai plus qu'à vous dire let's go, c'est parti. Au milieu de la folie de New York, Central Park ressemble un peu au havre de paix de la ville. L'endroit idéal pour oublier qu'on est dans l'une des plus grandes villes du monde. Comme Manhattan, le parc est immense. Pour le traverser, le vélo semble être le moyen de locomotion idéal. Pour faire ça tranquillement et surtout se détendre, prévoyez 2h30-3h pour traverser Central Park, en comptant la balade et bien évidemment quelques arrêts. Je peux vous assurer que la balade est hyper agréable. Pour les New-Yorkais, les 341 hectares du parc sont très importants. Pour eux, c'est le poumon de la ville. L'endroit parfait pour se relaxer, se détendre, faire du sport, mais surtout se déconnecter du stress et de l'agitation de Manhattan. Et l'histoire de la fabrication de ce parc est assez intéressante pour le coup. Ce parc est une véritable volonté du peuple new-yorkais. Dans les années 1800, la ville était déjà très peuplée. Et en 1830, les new-yorkais ont réclamé un espace vert important. Après des années de chantier, Central Park peut enfin débuter son histoire. Et par la même occasion, il devient l'un des plus grands espaces verts de toute la planète. Saviez-vous que New York est entouré d'une dizaine d'îles ? L'une des premières que je vais vous présenter, c'est Roosevelt Island. Cette petite île de 3 km de long est située entre Manhattan et le Queens. Mon petit conseil pour vous y rendre, le funiculaire. Vous y apprécierez la vue. Governor Island est un tout petit peu plus grand, 70 hectares. Mais à la différence de Roosevelt, elle n'est pas peuplée. Contrairement à Staten Island. 152 km² et près de 475 000 habitants. Mais celle qui a la plus grande histoire, c'est celle-ci, Ellis Island. Elle est située juste à côté de la Statue de la Liberté et elle y abrite un important monument, le centre de l'immigration. En effet, au XXe siècle, ce centre et cette île étaient l'entrée principale des immigrants qui arrivaient aux États-Unis. Aujourd'hui, le centre est devenu un musée qui retrace son histoire. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on va aller explorer les alentours de New York. On va donc quitter Manhattan pour un petit moment. Et quoi de mieux que le pont de Brooklyn pour sortir de l'île principale ?
En plus d'être immense, le pont de Brooklyn est le meilleur spot pour apercevoir le coucher de soleil sur Manhattan. Derrière Manhattan, Brooklyn est sans doute l'endroit le plus populaire. Notamment le quartier de Dumbo, qui abrite l'endroit le plus instagrammable de tout New York. C'est l'un des endroits les plus photographiés de New York. Le Manhattan Bridge avec l'Empire State Building qui apparaît dans une pile du pont. Le pont de Brooklyn mesure 1834 mètres. Et il a vu le jour le 24 mai 1883, après plus de 15 ans de travaux. Plusieurs quartiers font la beauté de Brooklyn. C'est le cas de Bushwick. En plus de profiter de maisons typiques, c'est le cœur du street art à New York. Aujourd'hui, la plupart des artistes et des graffeurs ont déménagé ici dans ce quartier de Brooklyn. Il ne faut donc pas hésiter à se balader à pied dans ce quartier. Une ambiance totalement vintage règne ici. Entre graffiti, boutiques et cafés, c'est un lieu complètement atypique. Le quartier de Williamsburg est aussi l'un de mes coups de cœur. Notamment son magnifique pont, le parfait jumeau du Manhattan Bridge. Nous voilà désormais dans le cœur de Brooklyn, dans le centre-ville, pas très loin du Barclays Center. Comme le Madison Square Garden, il accueille des matchs de basketball, notamment des Nets de Brooklyn, une équipe qui évolue dans la National Basketball Association. Le centre-ville de Brooklyn ressemble à n'importe quel centre-ville d'une grande ville, avec des rues marchandes, des grands bâtiments, des boutiques et un hôtel de ville. Du côté du quartier résidentiel de Brooklyn Heights, c'est plutôt mignon. Un quartier plutôt chic et très calme, et surtout très photogénique. Là-bas, ce sont des petites promenades new-yorkaises qui vous attendent, dans des rues totalement typiques, et des vues absolument magnifiques sur la skyline de Manhattan, du côté du Squibb Park. En continuant de s'enfoncer dans Brooklyn, on trouve véritablement des quartiers typiques et bien différents du centre de Manhattan. On dit souvent que la ville de New York ne dort jamais, mais en réalité, ici vous pouvez trouver plein d'endroits de tranquillité. Vous pouvez vous balader dans tous les parcs de New York, que ce soit le Central Park, que ce soit le Prospect Park, vous en trouverez des dizaines et des dizaines. Comme Central Park, le Prospect Park a été créé par l'architecte Frederick Law. C'est l'un des espaces verts les plus populaires de New York et l'un des plus grands, le cinquième précisément de tout New York. Pour le coup, on peut dire qu'il n'y a pas que du béton à New York. Il y a quand même pas mal d'espaces verts et pas mal de nature. Ces espaces sont nécessaires vu le nombre d'habitants à New York. D'ailleurs, ça m'amène à un autre sujet. Les ordures. On peut penser que lorsqu'on vient ici, c'est sale. On voit des montagnes d'ordures sur les trottoirs, dans les rues. J'ai même aperçu à de nombreuses reprises des rats. Pour le coup, c'est vraiment répugnant. Il faut savoir que les New-Yorkais sont de tous les Américains ceux qui jettent le plus d'ordures. 2,5 kg par jour en moyenne. Imaginez-vous, avec 8,4 millions d'habitants, le ramassage des ordures à New York est un véritable défi. À New York, il est possible d'avoir des airs de Malibu. Pour cela, il faut prendre la direction de Coney Island. Au programme, parc d'attractions spectaculaires et plages absolument immenses avec des étendues de sable splendides.
Lors de notre passage là-bas, on n'a d'ailleurs pas forcément été gâtés avec la météo. Du coup, on va aller se mettre à l'abri. Direction Manhattan et direction Central Park, où on va retrouver juste à côté le musée d'histoire naturelle. Que vous soyez un adepte des musées, celui-ci est clairement à faire. C'est l'un des plus grands musées de New York et il retrace les origines de l'homme, des espèces et de la terre. Et au dernier étage, vous retrouverez même les dinosaures. La plus grande collection au monde de fossiles de dinosaures se trouve ici dans ce splendide bâtiment fabriqué par l'architecte Calvert Vaux. En longeant Central Park, et notamment la 5ème avenue, vous tomberez sur d'autres musées, notamment le musée Guggenheim, ou encore l'un des plus grands musées d'art des États-Unis et l'un des plus grands musées d'art au monde, The Met. Aussi fou que cela peut paraître, dans le nord de Central Park, quand vous vous rendez au bord de l'eau, vous apercevez le New Jersey. Et oui, n'oubliez pas que New York est une île. L'un des lieux que j'ai particulièrement apprécié découvrir, c'est l'université de Columbia. Je crois qu'on a tous vu des tonnes et des tonnes de séries et de films américains. Et on a tous un jour rêvé de fouler le sol d'une université américaine. Ma route se poursuit à Harlem, un quartier qui, soi-disant, est très peu fréquentable. Mais pour le coup, moi j'ai clairement vu autre chose. Harlem, c'est le berceau du jazz. Une véritable culture existe ici. Le quartier est très connu pour ses gospels et franchement, je n'ai jamais ressenti un sentiment d'insécurité. Cet emblème, c'est la scène mythique de l'Apollo Theater. C'est ici que le légendaire Michael Jackson, âgé de 10 ans, a lancé sa carrière en 1968. Rien que ça. Aux États-Unis, il y a le basket, notamment la NBA, ou encore le football américain. Mais à New York, il y a les Yankees. L'équipe de baseball, sans doute la plus connue dans le monde entier. Assister à un match est une superbe expérience. Le stade des Yankees est d'ailleurs super sympa. Comme tous les sports américains, vous assisterez à un show. Et si vous avez de la chance et que les Yankees s'imposent, vous pourrez aller faire un saut dans les boîtes de nuit. Cela rendra l'expérience encore plus authentique. New York, c'est aussi une histoire de pont.
il y en a énormément. Des fabrications absolument spectaculaires. Plus d'une dizaine de ponts surplombent toute la ville. Quand on voit ces images, on se rend bien compte de l'immensité monstrueuse de New York. Venir ici, c'est je pense le rêve de beaucoup de monde. New York, ça parle absolument à tout le monde. C'est le rêve américain. Quand on parle de cette destination, il y a toujours une ferveur particulière. Eh bien, je peux vous dire une chose sur ce séjour, c'est que ça en valait vraiment la peine. Car véritablement, on en prend plein les yeux. En repassant dessous le pont de Brooklyn, on va faire un retour à Manhattan. Car j'ai un dernier endroit à vous montrer au cœur de la ville. Je vous présente le musée MoMA. Un joli musée d'art moderne. Près de 200 000 pièces existent ici. De Pablo Picasso à Salvador Dali et en passant par Van Gogh. Un véritable lieu incontournable, surtout pour les passionnés d'art. Pour me rendre dans tous ces fabuleux endroits, j'ai utilisé le métro et je ne peux que vanter ce moyen de locomotion. D'ailleurs, retenez ce chiffre, 7 jours illimités pour seulement $40. Franchement rentable et il passe partout. Du quartier financier jusqu'au World Trade Center, en passant par le centre de Manhattan et le mythique Times Square. Bien évidemment, il relie aussi le nord de Manhattan, notamment Central Park. J'ai même pu monter jusqu'à Harlem, ou même encore plus loin, jusqu'au Bronx. Et c'est aussi avec ce métro que j'ai pu découvrir Brooklyn et la pointe du sud, Coney Island. Honnêtement, c'est un véritable gain de temps pour découvrir tout New York. D'ailleurs, voici mon petit avis quand vous viendrez ici. Prévoyez au moins 10 jours pour avoir le temps d'absolument tout voir. Ne sous-estimez surtout pas la taille de New York. Si vous avez comme moi la volonté de ne rien rater, 10 jours me semble être un superbe compromis. Et si je devais vous dire une dernière chose, c'est que je retiendrai deux éléments de mon passage ici. L'immensité de New York et la gentillesse des New Yorkais. Bon et bien voilà, c'en est terminé de ce petit reportage sur New York. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que ça vous donnera envie de venir ici. Comme souvent, j'ai plus qu'à vous dire la suite au prochain épisode. Et on va continuer d'explorer le monde et surtout les États-Unis. Allez, ciao! Ha ha ha.